Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Dortmund, la capitale de la Westphalie en Allemagne, qui accueille, comme vous le savez depuis hier, les championnats d'Europe de patinage artistique. Ce soir, c'est le programme Libre Couple qui va nous intéresser. La situation est extrêmement indécise. Trois couples peuvent encore l'emporter. Shishkova-Nomov, les Russes. Kovarikova-Novotny, les Tchèques. Sans oublier les favoris de la foule, Mandy Hötzel et Ingo Steyer, les Allemands. Et puis, qui sait, peut-on espérer une belle performance de la part du jeune couple français, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, qui, au terme du programme pour diffuser hier soir sur France 3, occupe une encourageante 8e place. Bienvenue à la patinoire de Dortmund qui accueille les meilleurs couples européens avec pour enjeu l'attribution de la médaille d'or. France 3 avec Contrex vous présente les championnats d'Europe de patinage artistique. Mariusz Sudek, couple polonais, ce sont les premiers soir. Ils débutent le deuxième. Tour. 20 ans pour Dorota, 23 pour Mariusz. Double Lutz ici, parfaitement réalisé. Double Lutz lancé alors qu'il patine sur la bande originale du film La famille Adams, ce qui ne laissera pas insensible certains de nos jeunes téléspectateurs. En lasso ici sous les yeux de leur entraîneur Iwona Kruczynska que vous avez brièvement vu en incrustation. Réception difficile sur ce double axel lancé. Il est vrai qu'il s'agit d'une des difficultés majeures de la discipline. Parallèle, pas tout à fait synchronisé, mais il y a de réelles difficultés techniques dans ce programme qui ne manque pas d'ambition.
programme très ambitieux techniquement, je vous le disais, sous l'œil du couple de légende de la discipline, à savoir le couple Belousova-Protopopov, qui furent champions olympiques aux Jeux d'Innsbruck en 1964. Ça ne date pas d'hier, mais ils apprécient en connaisseurs la démonstration de ce jeune couple polonais qui est en très très net progrès par rapport à leur performance de l'an dernier. Songez seulement que l'année dernière à Copenhague, ils ne terminaient qu'à une modeste 18e place au championnat d'Europe et qu'ici, à l'issue du programme technique, ils étaient tout de même en 9e position avec qui sait l'espoir de remonter. Ce n'est pas impossible. Il y a encore une fois vraiment beaucoup d'ambition dans ce programme, comme vous le prouve ici ce double axel lancé un petit peu difficilement réceptionné. Le saut va malheureusement ne pas être retenu car vous avez vu que Dorota a posé la main. Les notes qui sur un maximum de 6 s'échelonnent entre 4,6 et 5. Le 5 est attribué par le juge polonais. Il y a toujours un petit peu de protection nationale dans ces compétitions. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. La deuxième note est celle de l'impression artistique. Elle est sensiblement égale. Current rank, vous le voyez, ils prennent donc pour l'instant la première place provisoire. Les applaudissements ne manquent pas pour saluer le couple allemand Sylvia Dimitrov et Rico Rex, tous deux originaires de Chemnitz. Ils occupaient la 10e place à l'issue du programme court. Piqué parallèle, difficulté majeure du patinage de couple, réalisé en plus avec une parfaite synchronisation. Attention ici à la tentative de double loop se lancer qui passe également très très bien. Les Allemands sont très en forme devant leur public ce soir. Ah mon Dieu, quelle tristesse! C'était une tentative de triple salco lancé qui malheureusement a vu la jeune fille chuter assez lourdement. Sous l'œil de Monika Scheibe, leur entraîneur, l'une des figures du patinage en Allemagne.
Double axel parallèle, parfait. Deuxième chute sur tentative de double axel lancé. Cette fois, malheureusement, les juges vont évidemment devoir en tenir compte. Guerre parallèle, excellent, courageux, car à moins de 20 secondes de la fin du programme, Sylvia Dimitrov et Rico Rex qui obtiennent, évidemment, vous vous en doutez bien, comme vous le montrent ces images, un triomphe, puisqu'ils patinent, j'allais dire, à domicile. Ils sont originaires de Chemnitz, c'est-à-dire en ex-Allemagne de l'Est, comme le sont beaucoup de patineurs allemands aujourd'hui. Et ils trouvent ici un juste salut, une juste récompense à leurs efforts sur le plan du succès populaire. Mais malheureusement, vous l'avez vu, il y a deux chutes de Sylvia, dont l'une assez lourde. Certes, ces chutes se produisent sur des difficultés techniques réelles, mais je crains fort que celle survenue sur le deuxième double axel lancé leur coûte cher, même très cher. Sylvia est à peine âgée de 17 ans. Rico, lui, n'a que 19 ans. Oui, et c'est ici la chute sur ce deuxième double axel lancé. Sylvia qui atterrit le saut trop de côté sur une carre à peu près 45 ou 50 degrés. Et en général, cela ne pardonne pas. Les notes sont toutes inférieures à 5. Je pense qu'elles devraient monter en artistique, car sur le plan de l'impression artistique, c'était vraiment bien pour ce jeune couple. 4,7. Et toujours cette zone Kessenkraut où l'entraîneur la plupart du temps console. Il félicite bien sûr, mais il console surtout. C'est un moment très important d'un championnat que celle qui suit précisément la démonstration. Regardez Sylvia qui tombe un petit peu dans les bras de Monica Scheibe. Sylvia bien triste sur cette image. Nous aurons sûrement l'occasion de les revoir au prochain championnat du monde à Birmingham, cette fois en Grande-Bretagne. Alors que se présente également sous les ovations du public, le tirage au sort a fait que nous voyons deux couples allemands dans ce deuxième groupe. Yekaterina Silnitskaya et Mirko Müller. Respectivement âgés de 17 et 21 ans. Ils sont tous deux originaires de Berlin, où ils vivent et s'entraînent. Triple boucle piqué d'entrée, malheureusement pas très bien réceptionné du point de vue de la synchronisation. Oh.
Bande originale du film Chaplin de Sir Richard Attenborough, musique de John Barry. Double Axel, bien. Claude Schubert, leur entraîneur, observe. Axel parallèle malheureusement avec le résultat que vous venez de voir. Yekaterina semble tendue ce soir. Spirale de la mort excellente en revanche. Le Lutz, bien. Suite de petits pas en déboulé, faisant suite à un double Axel qui passe bien. Les Allemands sont meilleurs en cette fin de programme. Il leur reste environ 40 secondes pour éventuellement passer en tête de cette compétition. Très jolie portée ici en Star Overhead qui se termine avec une rare fluidité. Katerina et Mirko de s'embrasser, de s'enlacer au milieu de la patinoire de Dortmund. Très très belle image qui illustre l'état d'esprit de ce sport que nous aimons tant. C'est vrai qu'on trouve vite la consolation en cas d'éventuelle contre-performance de l'instant. Ces ralentis que nous propose notre confrère réalisateur allemand qui nous montre bien l'amplitude demandée sur les sauts lancés. Ici c'est le double axel, j'allais dire parallèle, mais vous le voyez, malheureusement Yekaterina ne part pas en même temps que son partenaire. Résultat
Il s'ensuit une mauvaise synchronisation. Ce dont tiennent compte les juges, là, les notes sont vraiment, paraissent vraiment, vraiment sévères, car il y a tout de même de réelles difficultés techniques dans ce programme. Il y a deux double axels lancés, il y a une tentative de triple salco lancée qui malheureusement effectivement s'est transformée en double, mais il y a surtout un double lutz lancé qui passe très très bien. La note artistique, celle où il y a donc marqué présentation, là vous voyez sur la gauche de votre écran, est un petit peu meilleure, mais cela ne va pas suffire aux Allemands qui se situent donc actuellement en deuxième position provisoire de la compétition sous l'œil d'un juge que nous propose le réalisateur allemand. Ces juges qui détiennent vraiment les clés du patinage artistique. Leslie Rogers et Michael Aldred représentent la Grande-Bretagne. Leslie a 22 ans, elle nous vient de Newhouse. Michael a 2 ans de plus. Il habite non loin de Nottingham où il s'entraîne. Se lancer, cela commence très bien. De ballet entre toutes qui les accompagne, puisque vous avez reconnu La Belle au bois dormant de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Il me semble toutefois que chez Leslie, c'était un simple son. Chute sur double salco lancé. Le Rydberger parallèle, bien.
Ashley Rogers et Michael Aldred, les Britanniques, qui en terminent donc sous l'œil encore une fois du couple Otepopov, assis au premier rang de la patinoire de Dortmund. Démonstration en demi-teinte, je pense que vous serez d'accord avec moi, les portées ont paru un petit peu difficiles. Et surtout, il y a nettement moins de difficultés techniques que pour les deux couples allemands que nous venons de voir. Je crains aussi que les juges, là aussi donc, en tiennent compte. Leslie Rogers et Michael Aldred sont encore jeunes, ils ne patinent pas ensemble depuis très longtemps. Ils sont entraînés par Anne Crompton, qui est également un petit peu à l'image de sa compteur Betty Callaway, l'une des grandes figures, l'une des vraiment des figures marquantes des entraîneurs britanniques. Leslie et Michael, contrairement à James Orville et Chris Dean, ont choisi la discipline de couple et non de danse pour s'exprimer. Des notes qui ne devraient pas tarder à faire leur apparition et qui sont là en la circonstance assez juste. Elles sont assez homogènes, qui plus est. Autant on pouvait s'interroger sur certaines notes concernant le couple allemand précédent, autant là il s'agit des notes techniques, des premières notes donc assez justes. La note artistique qui ne va pas manquer de suivre devrait être légèrement supérieure, car c'est vrai que chorégraphiquement, aidé par ce lac des signes, ce fut bien meilleur. Le juge britannique, le premier juge, et le juge néerlandais sont de cet avis. Ils sont pour l'instant en quatrième place du classement provisoire. Ils sont vraiment la révélation de ce championnat d'Europe. Elena Beresnaya est à peine âgée de 17 ans. Oleg Shliakov en a 21. Ils sont lettons et en formidable progrès par rapport à l'an dernier. Première note de l'immortel thème de Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone? Où sont passées toutes les fleurs? Ces fleurs sont sur les tombes de Sarajevo, à qui ce thème, créé par Katerina Witt l'an dernier, est dédié. Oh, c'est un double Lutz absolument extraordinaire d'amplitude. Il est vraiment rare de voir une telle hauteur de saut. Elena et Oleg sont formidablement bien partis dans cette compétition. Double Axel lancé en combinaison. La première minute de programme est étincelante. Salco lancé. Double Axel lancé, malheureusement un petit peu touché
de la main. Cela n'a guère d'importance. Toutes les difficultés techniques sont présentes dans ce programme. Axel, parallèle, bien. Les dernières 45 secondes de programme, tout en accélération, avec ici une suite de petits pas. En étoile. En dernier, dans ces mêmes championnats d'Europe, ils sont pour l'instant cinquièmes au terme du... Allez savoir si au terme d'un programme aussi bon techniquement, ils ne pourraient pas, qui sait, gagner une place. Je pense que pour le podium, ce sera quasiment impossible. Mais l'amplitude de ce Lutz, regardez, regardez. Die A-Note First Mark. Bien jugé en notes techniques, vous le voyez, des notes qui s'égrènent entre 5,3 du juge allemand et du juge français, respectivement 4e et 8e juge. Il y a 5,6 du juge polonais. Et je pense que la deuxième note, c'est-à-dire la note artistique, ne devrait pas être trop inférieure. Il y a un 4,9 du juge néerlandais, le deuxième juge. Je ne comprends pas vraiment comment peut-on mettre un 4,9 à un programme d'une telle intensité. Le juge polonais met 5,5. Imaginez 0,6 points d'écart d'un juge à l'autre. Je ne comprends pas comment un juge peut mettre en dessous de 5 à une telle démonstration. Voici la coupable, si l'on ose dire. Le réalisateur allemand ne lui fait pas de cadeau. Cette juge néerlandaise vient mettre 4,9 à une telle démonstration. Enfin, passons. Ils prennent pour l'instant la tête de la compétition. Et ceux qui vont nous intéresser à présent sont les jeunes Français Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, 19 ans. Et 21 ans ce mois-ci pour Stéphane, il s'entraîne au club des Français volants de Paris sous la direction de Jean-Roland Racle. Et
huitième au terme du programme technique. Il vise ici une septième, voire sixième place. Le Belouk se lancer, bien. Merveilleuse bande originale du film Christophe Colomb. Triple boucle piqué passe très très bien. Stéphane et Sarah sont très inspirés. Et il en va de même pour le Salco lancé qui passe également très très bien. 1 minute 30 de programme pour Stéphane et Sarah qui vont bientôt entamer la partie plus lente de leur chorégraphie. Double axel parallèle, bien, en combinaison. Double axel lancé pour l'instant, tout va tellement bien, tellement bien. Il reste 1 minute 30 de programme aux jeunes Français. De la mort et exécution de celle-ci parfaitement rectiligne sur la glace pour Sarah, Stéphane Bernadis et Sarah Abitbol, que nous n'avons jamais vu aussi bien patiner que ce soir. C'est extraordinaire ce qu'ils viennent de faire. Ils sont passés par des moments, croyez-moi, pas très faciles tout au long de l'automne et de l'hiver. Leur club a été mis en difficulté à un moment donné par... Enfin, nous ne reviendrons pas sur des incidents qui malheureusement
dont ils ont malheureusement été les principales victimes. Stéphane Bernadis et Sarah Abitbol ont terminé troisième du Skate Canada. C'était au début de l'hiver, c'était déjà une performance extrêmement encourageante et depuis ils n'ont cessé de progresser. On les a vus excellents, motivés à l'entraînement comme jamais. Ils n'ont pas très bien réussi leur programme court hier. Ils étaient déçus et leur entraîneur Jean-Roland Racle nous avait vraiment dit qu'il ferait tout ce soir, qu'il donnerait tout dans le livre. Voilà qui est fait. Jean-Roland Racle, vous le voyez à droite de votre écran, on l'a brièvement aperçu. On a également aperçu Natacha Dabadi. Ici, c'est le double axel parallèle qui part très bien, qui est réceptionné également d'une carre pure, fine, légère. Les portées étaient également très réussies. Reste à savoir maintenant ce que vont en penser les juges. La juge néerlandaise notamment qui a mis un 4,9 absolument incroyable au couple letton que l'on vient de voir, aura-t-elle été plus sensible au patinage des jeunes Français? Les notes vont arriver tout de suite. Ah, écoutez, vraiment, je ne sais plus quoi dire concernant ces notes. Le public siffle, le public conspue, les juges, le juge ukrainien met un 4,8, le juge polonais met un 5,4. Il n'y a absolument aucune harmonie entre les juges. Vous entendez les sifflets comme moi. Je ne comprends pas et je pense que vous êtes de mon avis. Merci, comment on peut mettre une note en dessous de 5 à un programme qui compte toutes les difficultés techniques. La note artistique est certes meilleure. Le juge tchèque vient mettre également un 4,8. Il y a trop de différences. Ce n'est pas possible. Il y a des différences de 0,7, 0,8. Voici le juge tchèque, dont on ne peut pas dire qu'il a un visage d'une, comment dirais-je, qui respire la... la gentillesse personnifiée. Enfin voilà, les juges font leur travail. Les juges ukrainiens, tchèques, protègent-ils un petit peu leurs patineurs? Les juges français le font également. Cela fait partie malheureusement de, je dirais un petit peu, c'est de bonne guerre dans le patinage. Enfin, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis sont actuellement deuxième du classement provisoire. C'est déjà très bien. Nous nous intéressons à Maria Petrova et Anton Sikarulidze, 17 et 18 ans respectivement. Ils sont champions du monde junior. Double loose, bien. Triple salco avec malheureusement chute très lourde qui rompt sensiblement l'harmonie de la démonstration. Axel, bien. Nikolai Velikov, leur entraîneur.
Et le couple russe qui en termine à son tour. Vous l'avez vu, bien sûr, une chute, une lourde chute de la jeune fille à réception du premier saut lancé, ce qui ne les a pas empêchés de continuer. Five one, five three, five four, five one, four eight, five three, five four, five three. Thank you. Die B-Note Second Mark. 5,4, 5,4, 5,5, 5,9, 5,4, 5,2. Thank you. Nächstes Paar, next pair, mit der Startnummer 12, starting number 12, Elena Belousovskaya, Sergei Potalov, Ukraine. Belousovskaya et Sergei Potalov représentent l'Ukraine. C'est bien entendu West Side Story du regretté Leonard Bernstein que vous entendez. Double Lutz, bien. Triple boucle piqué. Galina Kukar est attentive.
C'était une tentative de triple salco lancée. Lourde chute d'Elena. Maria, et maintenant, there's a place for us. Il y a un endroit pour nous où nous pourrons vivre en paix, heureux et serein jusqu'à la fin de nos jours. Le grand Leonard Bernstein. Elena Belousovskaya et Sergueï Potalov. Elena n'est âgée que de 14 ans. Ils sont tous deux originaires de Kiev. Sous les yeux de Jutta Müller, la grande dame du patinage artistique, autrefois est-allemand, depuis allemand. Jutta Müller qui, comme vous vous en souvenez certainement, fut l'entraîneur de Katharina Witt pendant de très très longues années. Katharina Witt qui, pour la petite histoire, obtint son premier titre de championne d'Europe, c'était en 1983, sur cette même patinoire de Dortmund. Sergueï et Elena embrassé par Galina Koukar. Galina qui, vous le voyez, est bien entendu leur entraîneur, mais on a presque le sentiment que c'est également leur mère. C'est souvent le cas de ces entraîneurs qui partagent joies et peines de leurs protégés, qui sont vraiment pour eux quasiment leurs enfants sur cette fameuse zone de Kiss and Cry. Les notes sont assez proches de celles de Stéphane Bernadis et de Sarah Abitbol. Elles sont même vraiment très très proches. C'est sans doute sur la note artistique que va se jouer l'éventuelle septième place de cette compétition, car après le classement ne bougera plus puisque les quatre derniers couples à venir seront sûrement aux quatre premières places. Eh bien non, ils sont quatrième, Stéphane et Sarah sont troisième. Ça s'est joué vraiment à très très peu de choses, ce qui fait que ce couple ukrainien sera précédé au classement par Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, qui termineront donc au pire septième de cette compétition, ce qui est bien. Et nous allons maintenant nous intéresser au dernier groupe, celui duquel sera issu le couple champion d'Europe. Du monde l'an dernier sur la glace de Tokyo. Ils ont déjà prouvé leur valeur dans toutes les compétitions mondiales. Evgenia Shishkova et Vadim Nomov sont troisième après le programme technique. C'est dire que s'ils remportent ce programme libre de ce soir, ils seront sacrés champions d'Europe.
Oui, vous avez bien sûr reconnu la, les premières mesures de la symphonie inachevée de Franz Schubert. Triple salco lancé, cela démarre fantastiquement bien. Triple boucle piquée. Et triple Lutz cette fois lancé, parfaitement bien réceptionné. Là, il y a de réelles difficultés dans la première minute qui sont toutes bien passées. Velikova qui les entraîne à Saint-Pétersbourg. Regarde comme vous. Triple boucle piqué lancé. C'était une tentative de triple Lutz parallèle, figure extrêmement rare chez les couples, mal récompensée. Oh, quelle merveille. Quelle merveille que de voir Evgenia Shishkova et Vadim Nomov danser, interpréter de façon si majestueuse cette immortelle symphonie de Franz Schubert. Evgenia Shishkova, 22 ans, Vadim Nomov, 25 ans, qui ont commencé très très jeunes sur le circuit amateur. Ils sont en effet aux premières loges européennes et mondiales depuis plus de 5 ans.
une chorégraphie toujours renouvelée, une musique également toujours renouvelée. Quel dommage qu'il y ait eu cette erreur sur ce triple Lutz si rarement tenté en compétition en plus. Die A-Note First Mark 5,7, 5,7, 5,6. Et là, je pense tout de même que les notes, oui, voilà qui est le cas. Les notes, tout de même, allais-je dire, devraient être bonnes, car il y a là toutes les difficultés du patinage de couple. Et en plus, il y a cette tentative avortée, peut-on dire, de triple Lutz, mais tentative tout de même. Les notes qui s'échelonnent entre 5,6 et 5,8, ce qui, nous attendons la note artistique, bien sûr, ça, ce sont les notes techniques, ce qui devrait leur valoir très largement la première place. Regardez le petit 1 qui s'inscrit en dessous, signifie qu'ils sont mis en tête, et ce, très largement, par tous les juges. Les trois couples qui viennent savent à présent ce qu'il leur reste à faire. Evgenia Shishkova et Vadim Nomov. Ici, c'est le triple Lutz parallèle. Oui, on voit qu'Evgenia ne le démarre pas en même temps que Vadim et chute. C'était une tentative de triple qui plus est, s'est transformée en double. Alors que se présente sur la glace de Dortmund le couple tchèque Radka Kovaříková, 20 ans. René Novotný, beaucoup plus expérimenté, 31 ans, pour enfin tenter d'obtenir une médaille. Eux qui ont terminé, imaginez seulement, 8 fois quatrième dans des compétitions majeures européennes, mondiales ou olympiques. Radka Kovaříková, René Novotný. Triple salco lancé sur la Forza del Destino de Giuseppe Verdi. Triple boucle piquée. Irina Rodnina en incrustation, leur entraîneur. Triple Lutz se lancer, bien. Double flip.
double salco en combinaison. Kovarikova et René Novotny qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Oh, cette fois, je pense qu'avec cette démonstration, vraiment un sans faute, je pense qu'il devrait enfin pouvoir grimper sur le podium. Mon Dieu, tant de frustration s'effacerait d'un seul coup. Je vous le répète, 8 fois quatrième, c'est tout simplement incroyable dans des compétitions majeures. Mais cette fois, je pense que le mauvais sort les abandonnera à l'espace d'une soirée. Radka Kovarikova est tout simplement superbe. On pense à ces vers de Verlaine dans Chanson pour elle lorsqu'on la voit. Es-tu brune ou blonde? Avec elle, on ne le sait pas. Sont-ils noirs ou bleus tes yeux? Je n'en sais rien, mais j'aime bien leur clarté si profonde. Radka Kovarikova qui illumine de tout son charme la patinoire de Dortmund. Radka qui passait pour être nerveuse avant les grandes compétitions. Mais cette fois, ce soir, je pense que tous leurs tourments d'antan laisseront la place à un bonheur mille fois mérité. Alors déjà, nous attendons leur note en compagnie d'Irina Rodnina, double championne olympique, elle-même dans cette discipline, une fois avec Urmanov, la deuxième fois avec Sacha Zaitsev, qui est devenu ensuite son mari dans la vie. Les notes sont excellentes, oui, enfin, les notes sont cette fois vraiment très très bonnes, si l'on accepte un 5,6 du juge russe. Mais il faut dire qu'il y a un couple russe qui va patiner derrière, et peut-être que là aussi y a-t-il quelques petites protections, encore que celle-ci ne soit pas scandaleuse. 5,6 est une note tout à fait correcte. Cela va entre 5,8 et 5,6 pour la note technique. Attention, car là ça va se jouer avec le couple Shishkova-Nomov. Mais non, c'est Kovarikova-Novotny qui obtiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 places de premier sur 9 juges, et qui donc vont prendre provisoirement, certes, mais peut-être ce sera leur grand soir, la première place de la compétition. Quel bonheur, quel bonheur. Alors qu'on vient de voir la juge russe, le réalisateur allemand s'y entend vraiment pour nous montrer à chaque fois le ou la juge qu'il estime être, comment dirais-je, un petit peu sévère, voire même très sévère, avec un couple donné. Marina Eltseva et Andrei Bouchkov occupent, au terme du programme technique, du programme court, la quatrième place. Il faut donc absolument qu'il soit parfait ce soir pour espérer au moins remonter d'une place et grimper sur le podium. La Bayadera de Minkus les accompagne. Triple boucle piqué. Très malheureux pour Marina. Salco, bien.
Beaucoup de sauts lancés dans ce programme. Sous les yeux d'Igor Moskvin, leur entraîneur à Saint-Pétersbourg. Et une fois de plus, c'est toute l'école du Kirov, du Marinsky, toute l'école de danse et de ballet qui est présente sur la glace ce soir. Malheureusement pas dans le rythme. Marina Elsova et Andrei Bouchkov, qui, nous devons bien l'avouer, sous les yeux de Jutta Müller, n'étaient pas totalement dans le rythme de leur programme et de leur chorégraphie ce soir. Ce fut déjà perceptible hier, lors du programme court, ce petit quelque chose qui donne... un retard, regardez comme Andrei part en retard par rapport à Marina sur ce saut parallèle qui n'est certes pas la difficulté majeure, et en plus Marina qui chute assez lourdement. Qui plus est, ils ont ensuite eu du mal à retrouver leur tempo si important en matière de patinage de couple. Je doute ici que les notes excèdent 5,5. Il y a tout de même deux erreurs et en plus une vitesse de patinage qui les a abandonné l'espace de quelques 4 minutes 30. Les notes sont, si pour certaines d'entre elles, sont tout de même supérieures à 5,5. Il y a même un 5,8. Et bien, autant tout à l'heure on pouvait estimer que certains juges avaient été sévères, autant là, je pense que nous pouvons dire objectivement que les notes sont
assez généreuse, notamment le juge néerlandais qui les place tout de même deuxième, c'est-à-dire qu'il les place devant Shishkova, Nomov. Reste qu'ils sont troisième pour l'instant de la compétition et qu'un grand moment va se produire sous vos yeux avec l'apparition du couple qui occupe la deuxième place au terme du programme technique à 0,5 points seulement des Tchèques Kovarikova, Novotny. Vous l'avez bien entendu deviné, il s'agit d'Allemands. Ils ont nom Mandy Wotzel, 21 ans, et Ingo Steuer, 28 ans, originaire de Chemnitz également, qui partent ce soir à la conquête de leur premier titre suprême, un titre de champion d'Europe. Orchestration moderne pour les suivre, Island par le groupe Art of Noise. Double loup de se lancer, bien. Triple boucle piqué. Spirale de la mort, figure que l'on voit en général en fin de programme, parfaitement bien exécutée. Ils sont dans le rythme, les quarts sont bien marqués, elles sont sinueuses, elles sont profondes, elles sont tournantes, tout va bien pour le moment. Double axel, bien. Qu'ils sont les seuls au monde à pouvoir effectuer. Mandy Wotzel et Ingo Steuer à la poursuite de leur rêve. Il leur reste 1 minute 30 à tenir et tous les espoirs leur sont désormais permis. Deuxième spirale de la mort. Axel lancé, la main de Mandy a effleuré la glace. Double Rydberg, triple Rydberger, pardonnez-moi, qui passe également très bien. Mandy semble un tout petit peu hésitante en cette fin de programme. Attention.
Mandy Wetzel et Ingo Steyer qui terminent sous les hurrahs de la foule. Patinage très moderne, chorégraphie, vous l'avez vu, très surprenante, d'inspiration probablement nord-américaine. Oh là 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 là, je ne souhaiterais pas, et vous non plus, sans doute être à la place des 9 juges qui vont devoir décider de l'attribution du titre européen. Il y a un petit mais, vous l'avez vu, il y a un petit mais, c'est cette main posée par Mandy en milieu de programme, et elle le sait bien évidemment. Reste qu'il y a des difficultés techniques probablement supérieures à celles du couple tchèque Kovaříková-Novotný. Oh, la minute 30 qui va suivre dans l'attente des notes va être difficile à vivre, car cela va certainement se jouer à très très peu de choses. N'oublions pas non plus le couple russe Shishkova-Nomov, actuellement en deuxième position provisoire. Mandy Wetzel et Ingo Steyer qui reçoivent leurs notes techniques qui sont excellentes. Elles sont vraiment très proches de celles de Kovaříková-Novotný. C'est sur la note artistique que va se faire la différence. Cela va se jouer sans doute à moins de 0,2 points au total des 9 juges. Je vous rappelle que ce sont les places qui comptent. Il faut absolument avoir 5 juges sur 9 qui les mettent en tête. Pour l'instant, nous avons les notes techniques. Les notes artistiques sont formidables. Ils sont premiers. Il y a en effet 5 juges. Le juge allemand, le juge ukrainien, polonais, français et russe qui les mettent en tête. Ils ont 5 juges pour eux contre 4 à Kovaříková-Novotný. Mandy Wetzel et Ingo Steyer sont sacrés champions d'Europe dans un océan de tendresse, d'amour et de bonheur. President of the German Figure Skating Association, Mrs. Britta Lindgren, Schiedsrichterin, referee. Et l'heure du podium est à présent arrivée. La médaille d'or donc pour Mandy Wetzel et Ingo Steyer. Vous imaginez la joie qui règne dans cette patinoire de Dortmund. Mandy est au bord des larmes. Oh, ce sont même des larmes qui tombent sur son bien joli visage. Ingo Steyer, très heureux. Cela vraiment s'est joué à très très peu de choses. Ah oui, Mandy qui n'arrive pas à contenir ses larmes. Très très belle image, comme toujours. Honneur également au couple tchèque, Radka Kovaříková et René Novotný, enfin médaillé après tant d'années de tourments avec cette maudite quatrième place. Les voici qui réussissent à conquérir une très très belle médaille d'argent. En revanche, il est possible qu'Evgenia Shishkova et Vadim Nomov soient un petit peu plus déçus. D'ailleurs, cette image ne trompe pas, oui. Ils attendaient sûrement mieux encore que le charmant minois d'Evgenia. C'est clair également à la réception de cette médaille de bronze. On signalera bien entendu que les Russes Eltsova Bouchkov terminent quatrième. Ils précèdent les jeunes Lettons Bereznaya Shilakov, dont on reparlera très très vite. Sixième Petrova Chikuriladze. Troisième couple russe engagé. Et septième, et c'est une belle performance,
nous le soulignons encore, Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, que nous retrouverons bien sûr avec beaucoup de plaisir à Birmingham pour les championnats du monde. Wötzel, Steyer, les Allemands, sur la plus haute marche du podium. Mais Mandy est toute petite, et bien qu'elle soit sur une marche plus haute, et bien elle est encore beaucoup plus petite que le grand René Novotny que l'on aperçoit sur la gauche. L'heure des médailles, l'heure des bouquets, et puis très bientôt celle des hymnes nationaux. Toute la salle va se lever et nous le faisons aussi pour saluer la si belle victoire de Mandy Wötzel et Ingo Steyer.